balade des tonus en Savoie. La bleue, elle est magnifique. La blanche, elle est bien aussi. Hein? Il n'est pas venu avec sa voiture. Non. C'est bien sa femme et puis sa fille hein, qui sont là. Ben, j'ai l'impression, mais je ne suis pas, je suis pas sûr. Ça y est. Ouais. C'est qui pue comme ça, c'est leur voiture. Non. C'est pas facile de filmer parce que ça bouge. C'est pas un t-shirt, c'est un sweat. T'as vu la plaque, elle est belle. Hein? Ah oui, elle est belle. Tu vas la mettre où? Je sais pas. Hein? Oh, il y a des bouteilles de fromage par moment.
jamais filmé comme ça. Il est comme, un peu comme le mien, mais la couleur est plus brillante. Hein? J'aime bien celle-là. Là, les... Ils sont sympas les gars. Hein? Hein? Chacun arrive un peu, je pense, comme il pouvait. Hein. Mais il y en a qui viennent de loin. Hein. Ah oui. Dans le nord, ça fait une tirée. Il faut avoir envie de vivre. Thank you.
C'est beau la Savoie. Ouais. Comme ça. Là, il y a une espèce de. Nous suivons toujours le cortège des Taunus. Petite sortie organisée par le club Fort Taunus TC. Yeah. Hein? Dans les vignes, bah on voit que c'est dans les vignes. Hein? Ah, c'est beau là. Bah, ouais, je pense.
faut monter où? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, c'est bon. Oui, oui. Vas-y, vas-y, tu risques rien de toute façon. Oh, mais toi là-bas, là-bas, ouais. Ouais, mais toi là. Mets le frein à main. Bonjour. Par contre, pour redémarrer, ça patine un peu. C'est les graviers. Ah. C'est les graviers, c'est ça. Mais vous auriez pu vous mettre là, il y avait des places. Ah ouais, mais il n'y a pas équipe parking. Alors on a pas voulu. Voilà. En fait, je l'ai dit au premier, je dis pas, je voulais pas que vous mettiez dans la cour parce qu'il y a une petite butte et vous ne sortez pas, elles sont basses. Pas trop dur à grimper là. Non, mais c'est ce qu'on regardait là, le machin avec quoi et le tracteur. Ah ouais, c'est dingue. Bah là, c'est trop pentu, le tracteur. Non. Ils font tout à la pogne, non? Ah ouais, c'est incroyable hein, quand même. Ouais, je parle d'hectares, mais on va faire machin. Ouais, c'est impressionnant. Bah, à l'époque, ils devaient faire les libricots parce que là, on voit les espaliers. On voit les nivelages. Il y a eu des heures de mise en place. Ah ouais, ouais. Putain. Il y a eu des heures de mise en place, le niveau. C'est une petite. Non, je pense qu'il devait être. Il y a comme des odeurs de tout à la main, là.